tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je suis très contente de vous retrouver dans une vidéo vraiment très spéciale puisque je crois que c'est la première fois que je fais ça. Je vais vlogger. Là ça sera vraiment 24 heures avec moi quoi. Que je vous explique cette vidéo, en fait j'avais envie, on avait envie avec mon copain et ma fille de partir quelque part parce qu'il faut savoir que ça fait des années qu'on n'est pas parti. On voyage pas, on fait rien. Et là franchement avec tout ce qui s'est passé et tout, on s'est dit vas-y partons, rien qu'une nuit tu vois, manière un petit peu de s'évader. Et j'ai trouvé ce qu'il nous fallait sur le bon coin. Alors attendez que je vous montre ce que c'est. C'est au Mas de Barbeau et en fait on va dormir dans une bulle. Je vous mets en ce moment même des photos, regardez-moi cette beauté. J'ai eu un coup de cœur. Franchement quand j'ai vu ça dormir comme ça sous les étoiles en espérant qu'il n'y ait pas de nuages, c'est à 2h, 2h30 d'ici. Donc au lieu de parler il faudrait que je commence à préparer la valise déjà. Je vais la chercher de suite d'ailleurs. Oui on part qu'une nuit mais on sait jamais. Tac, je vais commencer à tout mettre dedans, je suis en train de m'organiser déjà, ce qui n'est pas chose facile. Donc si vous recherchez aussi à des endroits insolites comme ça, n'hésitez pas à aller voir sur le Bon Coin. Ils ont plus de 211 000 logements, hein. Des villas, des hôtels, des campings, des gîtes. Franchement, si tu ne trouves pas ton bonheur, il y a un problème. Moi je sais qu'aussi j'ai envie de partir à Marseille hein, pendant les vacances, donc je suis en train un petit peu de regarder ce qu'il y a. Donc c'est très simple hein, de réserver et le paiement est sécurisé, of course. Et en plus de ça, le Bon Coin ne prend aucune commission pour les hôteliers. Vu qu'à ce moment c'est difficile avec la crise sanitaire, jusqu'à l'été prochain, l'été 2022. Ok, bon déjà j'ai préparé mes affaires à moi, ensuite je préparais celle à Emma et mon homme il se débrouille. Oui je suis une très bonne femme à marier. Ah je vous ai pas dit, bien sûr elle a la chance que j'ai. Les vrais comprendront si je vous montre ça. J'ai mes règles, enfin que dis-je, je suis en hémorragie. On est au deuxième jour là. Tac. Ah, brosse à dents, dentifrice, gel douche et... Ça, je suis en panique. Mais pourquoi tant de stress? Vous êtes comme moi, vous, quand vous partez quelque part aussi, vous stressez. Bon, maintenant que moi c'est fait, je vais faire les mains. Et c'est parti. Let's go. On est prêts, équipés, on dirait qu'on va partir une semaine. Et j'avais envie de vous dire, on va passer un moment avec vous. Un bon moment avec vous. Ok, nous sommes installés, prêtes pour l'aventure, Nini. Oui. Girl, I see your face everywhere. When I'm going out, you'll be there. Rêver que de toi, t'es mon prince dans le château. Et quand je pars en guerre... Et on va s'arrêter, d'accord? 4 heures après, mais genre vraiment 4 heures après. On est dans la bulle. Nous sommes dans le sas de décompression. Oh merde, attends, il faut que je suis. Oh petite. Oh là là, c'est drôle. Oh my god. Attends, fais voir ma masque. On dirait qu'on rentre dans un ballon géant. Oh my gosh. Cette nuit, ça va être magnifique. Hein. Oh, il a l'air. Oh man, qu'il est dur. Nous avons envie de faire pipi. C'est des toilettes sèches. Non mais je n'ai jamais utilisé de toilettes sèches de ma vie. Le machin en fait, t'as des copeaux en bois. Et en fait si tu fais caca, là t'as d'autres copeaux en bois que tu dois mettre par dessus. Je vais baptiser les WC. J'ai envie de faire pipi. Écoute. Regardez ce qu'il y a. Mon chien, je meurs. Emma, s'il te plaît. Ne sors pas. Arrête. Attends, Nini, tu voulais faire pipi. Non, mais je peux pas faire pipi. Comme ça. C'est des toilettes sèches. Non, mais... Nous sommes en pleine nature. Hein. Elle est où, Marie? Elle est énorme. Coucou. Bon, il est 8h moins le quart.
il est l'heure d'aller manger parce qu'on a faim, un truc de fou. Donc il faut redescendre tout le chemin qu'on a monté. Là, je vous jure, j'en pouvais plus. Je n'osais rien dire parce qu'il y avait le mec avec son fils. Son fils, il était là, pop, pop, pop. Moi, j'étais là. Attendez-moi, sinon je risque de me perdre là-dedans, quoi. J'ai envie de marcher pieds nus et tout, quoi. Me reconnecter avec la nature. Ici, c'est la salle de bain. Donc, il nous a mis des petites serviettes. Regardez, j'ai peur d'ouvrir les portes. Oh, j'ai vu le petit lavabo et tout, c'est mignon comme tout. Moi, je vais apprendre ma douche. Et toi? Honnêtement, je sais pas. Là, on a des hamacs. Et là, on a le petit coin repas. On va manger ici. Et nous avons la petite cuisine. Bonjour, vous voulez que je vous serve quoi? Une bière artisanale, s'il vous plaît. Allez, une bière artisanale pour monsieur. Manger, yes, yes, bon appétit. Miam, 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 on va se régaler. Allez, bon appétit. Mais il est trop bon le pâté. Carte bleue. Bon, le pâté, c'est trop bon. Maman, excellent. Assiette vide, ventre bien rempli. J'ai pris mon portable parce que j'ai plus de batterie sur l'appareil photo. Allez, c'est parti pour remonter. Du coup, je vais aller brancher la caméra. On court. Ah non, non, on court pas. Elle dit, je viens de manger. Pardon. Quel est cet animal étrange qui vient faire ce bruit? Hein? J'ai entendu là. T'as entendu des bruits ou pas? T'as entendu des bruits? Ouais. Putain, cours, cours. Je suis toute seule. Je sais pas pourquoi je parle doucement. Mais j'ai pas peur. Qu'est-ce qu'il y a à la forêt? Non, je fais pas trop la maline quand même. On fait une partie de solitaire. Regardez la vue que j'ai, quoi. On a dit pas d'écran ce soir. Il est bientôt 10h. On s'est mis dans la tente parce que franchement il fait trop froid. Et moi j'ai pris comme pyjama un petit t-shirt, mais je vais me geler de mon tour. Je sais pas à quelle heure il va faire nuit, mais j'espère qu'on va pas s'endormir avant. Parce qu'on est crevé. On va attendre que la nuit arrive. On vient de découvrir qu'il y avait une lumière quand même. Hein. On y voit un peu mieux du coup. J'en connais une qui est comme teinte là. Hein? Il fait pas encore nuit. Il est 11h moins le quart. Et franchement, il n'y a pas d'étoiles. Il y en a quelques-unes, mais elles ne voient même pas la caméra, quoi. C'est trop dommage, on voit rien alors que c'est magnifique. On voit que les plus grosses. Réveil en douceur. Là, les oiseaux, c'est... J'adore. Je ne voulais surtout pas manquer le lever du soleil. J'ai passé une nuit, comment dire, assez mitigée. J'ai fait que me réveiller, toutes les heures, je crois. J'étais là, j'étais à mode, je regardais comme ça le ciel, je comptais les étoiles. J'apprécie énormément cette ambiance. C'est trop beau. T'as froid mon cœur. Petit outfit du jour. Vous savez que là je filme mais je vois que dalle. On va où Mani? À la grotte. À la grotte de la Cocalière. À la grotte Cocalière. Maman vous montrera avec la caméra un petit peu tout ce qui est autour de nous. Voilà, bon bisous. Regardez cet homme. Quelle musculature. Quelle force. J'avoue qu'elle est super lourde la valise. À y aller pour deux nuits, non? Ou une nuit, ça suffit, tu trouves? Deux nuits. On aurait dit passe-partout d'un Fort Boyard, lui. Deux clés. Alors, j'ai...
Alors, tu vois bien? Tu vois bien? Merci à vous, au revoir. Nous arrivons à la grotte de la Cocalière. Ah bah le masque, je peux te montrer. Franchement, et on va partir manger. Nini, t'as faim toi aussi? Oui. Devinez où c'est qu'on mange. Je vais vous montrer un truc, vous allez deviner direct. On connaît tous ces lampes. Oh, j'en peux plus. De retour in the house. J'ai presque pas dormi de la nuit. Et là, je suis en train de me dire, mec, ce séjour est passé aussi vite que ce claquement de doigts. Franchement, c'était génial. J'ai adoré. Je suis carrément pas déçue par rapport à l'annonce. C'est exactement pareil. Il a fait super beau. Le ciel était dégagé. C'est dommage que j'ai pas pu filmer les étoiles. Je sais pas pourquoi ça se voyait pas avec ma caméra. Mais il y avait plein d'étoiles partout. C'était magnifique. Et c'est pour ça que j'ai pas bien dormi d'ailleurs. C'est que dès que je me réveillais, putain. Je regardais les étoiles comme ça. Après, vraiment, c'est très nature, quoi. Genre, moi, j'ai eu du mal, honnêtement, avec les toilettes sèches. Vraiment, je crois que je préfère faire mes besoins dans la nature en mode accroupi plutôt que sur ça. Mais en tout cas, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo, que vous avez un petit peu voyagé avec moi. Et par contre, cette robe, dernière fois que je la mets, j'ai eu les tétés dehors tout le long. Heureusement, je mets mes cheveux devant. Comme d'habitude, quand je sors une vidéo avec Le Bon Coin, j'oublie de vous dire, mais je mets des articles sur Le Bon Coin. Donc, je vous mets le lien de ma boutique en barre d'infos, le lien aussi de la catégorie vacances. Si vous recherchez un lieu, je vous le mets aussi parce qu'il y a tellement de choix que c'est sûr, vous allez trouver votre bonheur. Je vous fais plein à tous énormes. Gros bisous et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.